Lorena Garcia Girón. Je suis designer graphique et directrice de création chez CoCrea Studio. Je suis membre du CA de la SDGQ, c'est la Société de designers graphiques du Québec. Ce soir, je suis là pour donner le prix d'identité visuelle dans les projets du prix Habitat Design. L'identité visuelle, c'est comment se traduit l'essence du projet de façon visuelle, en fait, même si c'est un peu redondant. C'est les logos, les chartes graphiques, les différentes applications dans les différents moyens de communication. On a beaucoup d'éléments qu'il faut traduire graphiquement, en fait. Donc, c'est pas juste transmettre, c'est vraiment réfléchir à comment on va représenter ces éléments-là de telle sorte que ça fasse justice à le rationnel qu'il y a derrière. Donc, nous, on est à la recherche de clarté, de cohérence, de pensée critique, d'analyse. C'est pas une question de budget, c'est vraiment une question de vision. Ceux qui ont mis le temps et l'effort pour monter un cran plus haut que les autres. Pour moi, le design, c'est vraiment le mariage entre la fonctionnalité et l'esthétisme, selon ma philosophie personnelle. On peut pas commencer un projet de design sans poser des questions clés, sans prendre un moment pour analyser, pour réfléchir, pour mettre sur place une certaine stratégie et que ça soit fondé sur un concept. Sinon, c'est vide. Et si c'est vide, c'est juste une tendance, puis ça va passer au bout d'un an ou deux, puis le bon design, il résiste vraiment la preuve du temps. Investir sur le design de qualité, ça rapporte, parce que ça va permettre sur la qualité du projet, sur le sentiment d'appartenance de ceux qui vont habiter les lieux. Ils vont se sentir fiers, ils vont avoir cette fierté de « voici où j'habite, voici ce qui me représente ». Et ça va pas juste être « ok, c'est juste au moment de l'achat », ça va au-delà de ça. Donc moi, je dirais aux designers de continuer à faire du bon travail et à ceux qui engagent les designers de vraiment miser en tant qu'un investissement qui rapporte beaucoup.